Bonsoir à tous et à toutes, ou à toutes et à tous, je ne sais plus dans quel sens on le dit. Faut pas faire d'impair parce que maintenant on est soit sexiste, soit je ne sais pas quoi. Donc bonsoir à tout le monde. Merci d'être venus si nombreux. Merci à l'équipe d'égalité et réconciliation Lille de cette invitation. Merci aussi à ma hiérarchie de me laisser du temps libre pour préparer cette conférence. Et merci enfin à la DILCRA et au CRIF pour l'efficacité de leur publicité. Je voudrais particulièrement remercier M. Francis Khalifa, d'après qui je suis un raciste, un antisémite. Bon, ça, c'est relativement classique, mais je suis aussi un savant fou, un militant d'extrême droite halluciné et même un cas psychiatrique. Donc j'espère que vous mesurez le privilège qui est le vôtre d'écouter ce soir un homme qui a autant de cordes à son arc. Bon, mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet, et plutôt dans les choses sérieuses. Donc je vais parler de physique. Je suis désolé pour les gens qui seraient éventuellement allergiques à la physique, mais je suis physicien, je ne sais pas faire autre chose. Donc je vais parler de physique. Donc on va commencer par un petit retour dans le passé, et je vais vous montrer un instrument que sans doute les plus anciens connaissent, ils savent tout de suite qu'est-ce que c'est, mais les plus jeunes pas forcément. Donc cet instrument, ça s'appelle une règle à calcul, et c'est quelque chose qu'on utilisait couramment à l'époque où il n'y avait pas d'ordinateur et pas de calculatrice. Moi, j'ai vu, par exemple, ma sœur, qui est un peu plus âgée que moi, commencer ses études scientifiques avec une règle à calcul comme celle-ci. Et cette règle à calcul, elle avait pas mal d'avantages par rapport à une calculatrice, même si elle semble aujourd'hui un peu primitive. C'est d'une part qu'elle fonctionne sans pile, donc en cas de guerre nucléaire, bon, ça fonctionne... Quand il n'y a plus rien qui marche, ça fonctionne encore. Mais plus sérieusement, elle permettait d'illustrer par la pratique les propriétés des logarithmes, c'est-à-dire le fait de transformer une multiplication en addition et une division en soustraction. Et surtout aussi, comme c'est un instrument qui est, disons, analogique, puisqu'il s'agit de mesurer, de lire quelque chose sur une règle, évidemment, on ne s'embarrasse pas de faire des calculs avec énormément de chiffres. On se concentre sur les ordres de grandeur et on lit, disons, les résultats des calculs de façon relativement approximative. Si on est soigneux, on peut avoir des résultats relativement précis, mais c'est quand même des calculs relativement approximatifs. Donc on doit se concentrer sur les ordres de grandeur ou encore ce qu'on appelle, en langage scientifique, les puissances de 10. Et ça, c'est quelque chose qui s'est un peu perdu, malheureusement, puisque avec la facilité d'utilisation des calculatrices et des ordinateurs, maintenant, on rentre des données dans des ordinateurs pour faire des calculs complexes, et puis l'ordinateur, il recrache des résultats. Mais comme disent les Américains, « garbage in, garbage out », donc si on rentre n'importe quoi, il sort n'importe quoi. Et il ne faut pas... avoir la religion des chiffres. Je peste, moi, souvent contre mes étudiants qui vont, par exemple, me donner des résultats avec énormément de chiffres dont la plupart ne servent strictement à rien. Donc c'est la notion de chiffres significatifs qui est un peu perdue. Donc on a, bien sûr, des facilités avec les techniques actuelles qu'on n'avait pas il y a seulement quelques décennies, mais ces facilités comportent aussi des dangers. Et je voudrais bien insister là-dessus, puisque avec tous les instruments qui nous entourent, les smartphones, le GPS, les télécommunications à distance avec l'image, on a l'impression qu'on est omnipotent, omniscient, qu'on peut tout faire. D'une certaine façon, nous sommes tous des magiciens, alors qu'en réalité, nous sommes malgré tout esclaves de nos perceptions. Nous avons évolué... nous sommes issus plutôt d'une évolution qui a fait de nous ce que nous sommes. Nous sommes par exemple très sensibles aux images animées, parce que ça, s'il y a un prédateur qui se présente pour un animal, le fait qu'il y ait une perception visuelle animée, c'est pour lui beaucoup plus important qu'une perception visuelle statique. C'est pour ça qu'on est tellement attiré par les images animées, mais c'est aussi un danger maintenant, parce que les publicitaires le savent très bien, et du coup... Eh bien, toute cette technique finit par créer des pièges en nos perceptions.
on a l'impression de tout voir et de tout savoir, et en fait, souvent, on se fait avoir parce qu'on ne réfléchit plus et parce qu'on a trop de facilité à appréhender le monde de façon que l'on croit directe, mais qui est en fait indirecte par tout un tas d'accessoires. Donc, maintenant, faisons de la physique réellement en parlant d'un personnage que vous connaissez peut-être, un grand physicien italien qui s'appelait Enrico Fermi et qui, lui, était de l'époque d'avant les ordinateurs, puisque les tout premiers ordinateurs, mais qui étaient vraiment des monstres, hein, on peut dire que c'est à peu près dans les années 40, et voire après la Deuxième Guerre mondiale. Donc Enrico Fermi, donc lui, il est mort en 1954. Il a eu le prix Nobel de physique en 1938 pour des travaux de physique nucléaire. Et il était très connu, même encore connu, pour ses estimations, ses problèmes qu'il posait à ses étudiants, qu'on appelle encore aujourd'hui des estimations de Fermi, justement pour dire que c'est un problème typique de l'esprit de Fermi. Et il y en a une en particulier qui est assez célèbre, que vous pouvez retrouver partout, y compris sur Wikipédia, je pense. Et une question qu'il posait à ses étudiants pour voir s'ils arrivaient à se tirer d'affaire, c'était « Combien y a-t-il d'accordeurs de piano à Chicago ?» Alors on pourrait penser que c'est une question qui n'a rien à voir avec la physique, mais en réalité c'est une question qui est conçue pour se rendre compte si l'étudiant est un bon étudiant qui va pouvoir avoir des idées intéressantes pour dégrossir des problèmes dont on ne connaît a priori pas la solution. Alors, quelle est la méthode pour répondre à cette question? D'abord, quel est le nombre d'habitants à Chicago? Bon, à l'époque, il y en avait à peu près 5 millions. Combien de personnes par foyer? On peut estimer qu'il y a à peu près en moyenne 2 personnes par foyer. Parfois, on peut mettre 3 si on veut, c'est pas très grave. Mais en tout cas, il n'y a pas une personne par foyer, donc on met au minimum 2. Combien de foyers possèdent un piano? Quelle est la proportion de foyers qui possèdent un piano? Donc ça, c'est un peu plus difficile. Il faut connaître un peu la sociologie de la population. Bon, allez, on estime un foyer sur 20 qui possède un piano. Combien de temps un piano peut-il jouer avant de nécessiter d'être réaccordé? L'ordre de grandeur, c'est une année. Quel est le temps nécessaire pour accorder un piano? Bon, ben ça, il faut avoir vu un accordeur travailler, de l'ordre de 2 heures. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Enfin, j'ai pris les chiffres qui sont donnés dans cet exemple. Quel est le temps de travail d'un accordeur? Bon, si on prend 50 semaines à 40 heures par semaine, ça fait 2000 heures par an. Donc, ce qui veut dire qu'un accordeur, il pourra accorder à peu près 1000 pianos par an. Eh bien, avec ça, vous pouvez répondre à peu près, vous pouvez estimer le nombre d'accordeurs de piano à Chicago si vous supposez qu'il y en a suffisamment pour pouvoir accorder les pianos, mais pas trop pour qu'ils ne soient pas à se tourner les pouces la moitié du temps. Donc, ni trop ni trop peu d'accordeurs de piano. Donc, la réponse, c'est 5 millions d'habitants divisé par 2 pour avoir le nombre de foyers, divisé par 20 pour avoir le nombre de foyers qui contiennent un piano, et puis divisé par 1000, puisqu'un accordeur va pouvoir accorder 1000 pianos par an, et donc on trouve 125, le nombre réel à l'époque était de 190. Donc c'est pas un nombre exact, bien sûr, mais ça montre qu'avec un calcul extrêmement simple qui se base sur des estimations un petit peu au doigt mouillé, mais malgré tout raisonnables, on peut avoir un nombre qui n'est pas complètement idiot. C'est pas 1, c'est pas 10 000, c'est 125 qu'on trouve. Bon, c'est pas 190, mais c'est quand même relativement intéressant, ce genre de calcul, alors qu'on est parti de rien, pratiquement. Eh bien, ce que je vais vous proposer ce soir, c'est un peu de faire la même chose à propos du 11 septembre, et plus exactement d'une particularité du 11 septembre. Pas du tout du 11 septembre dans son ensemble, je vous rassure. Je vais vraiment me consacrer à un problème particulier. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'est-ce qu'on montrait aux actualités juste après le 11 septembre. Mais une chose qui m'avait frappé, moi, c'était les incendies. Le Manhattan qui était couvert de fumée. Il y avait un panache de fumée énorme. Donc ça, cette photo, elle était prise juste après les attentats. Donc le 11 septembre à 10h35. Sachant que l'effondrement
de la tour sud a eu lieu à 9h58 et de la tour nord à 10h28. Donc c'est vraiment tout frais. Même la troisième tour n'est pas encore tombée. Et on voit vraiment un panache de fumée énorme. Et pendant des semaines et des semaines, les actualités ont reporté qu'il y avait des incendies à Manhattan. Mais est-on bien sûr qu'il s'agit uniquement d'incendies? C'est la question qu'on peut se poser aussi. Et en fait, quand on voit ça, cette image, il est clair qu'il y a des incendies, il y a des choses qui brûlent dedans, mais visiblement, il n'y a pas que ça. Ce à quoi on peut penser lorsqu'on voit cette image, et lorsqu'on voit même des images bien plus tardives, des jours, des semaines, voire des mois plus tard, c'est un générateur de vapeur, puisqu'on voit beaucoup de nuages blancs, qui sont en fait des nuages de vapeur d'eau, et non pas des fumées d'incendie. Donc, de toute évidence, il ne s'agit pas seulement d'incendie. Et on a affaire ici à un très gros générateur de vapeur. Qui dit gros générateur de vapeur dit nécessité d'une source d'eau et d'une source de chaleur, tout simplement. La question qu'on peut se poser, donc, c'est d'où vient l'eau et aussi d'où vient la chaleur. Bon, d'où vient l'eau, c'est clair que Manhattan est quand même pas très loin de l'eau, hein, mais malgré tout, bon, le centre-ville n'est pas, c'est pas Venise non plus, c'est, les gens sont à pied sec, donc c'est quand même intriguant un petit peu de voir cette vapeur qui monte en plus des incendies. Je dis pas qu'il n'y a pas d'incendie, mais ça vient en plus des incendies. C'est un peu intriguant de voir cette vapeur qui monte de toute cette zone, d'où vient l'eau qui permet ces nuages blancs de s'élever dans le ciel. Alors, si on voit des schémas du World Trade Center, qu'on peut consulter encore aujourd'hui, il y a un mur ici qui entoure une partie, un mur souterrain qui entoure une partie du World Trade Center, ce que les Américains appellent le bathtub, donc en gros une baignoire. Donc, il y a un terme technique architectural en français, je ne le connais pas. Ce mur ici, c'est un mur qui entoure les sous-sols de certains bâtiments, qui va s'ancrer dans le socle rocheux, donc vraiment qui va jusqu'au rocher, et qui était traversé, entre autres, par une ligne de métro, et donc qui fait 6 ou 7 étages de haut, quelque chose comme ça, puisqu'il y avait 6 ou 7 étages de sous-sol. Ce mur, il est d'un côté accolé à un remblai, donc il y a l'Hudson qui est de ce côté, donc là c'est un remblai, et ce mur c'est un mur d'étanchéité, parce que le remblai n'étant pas étanche, étant perméable à l'eau, l'eau de la rivière finirait par inonder les sous-sols s'il n'y avait pas ce mur d'étanchéité. Or, il se trouve que donc, dans cette infographie du New York Times, on peut voir les dégâts occasionnés au sous-sol. On voit que les niveaux les plus bas des sous-sols sont marqués « collapsed or heavy damage », donc effondrés ou très sérieusement endommagés. Ce qui veut dire donc que tous les niveaux de la tour numéro 1 et de la tour numéro 2, donc les tours jumelles, étaient détruits jusqu'au dernier niveau du sous-sol, et y compris même une station de métro. Donc ça, déjà, c'est un peu étonnant pour, même indépendamment de la raison qui a fait s'écrouler les tours, on a du mal à imaginer comment l'écroulement d'un gratte-ciel peut détruire complètement les sous-sols. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment compréhensible. On garde ça en mémoire et on verra tout à l'heure s'il n'y a pas une explication à ça. Donc ça, ce n'est pas du tout des documents secrets, hein, ça se trouve encore en ligne sur le site du New York Times. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est d'où vient la chaleur? Alors, plutôt que d'essayer de savoir directement d'où vient la chaleur, je vais d'abord me poser la question d'estimer cette chaleur. Ça peut paraître comme ça
une tâche un petit peu difficile, mais dans le même esprit que les estimations de Fermi, je vais vous montrer que c'est quelque chose qui n'est en réalité pas très compliqué. Je vais faire un effort d'abstraction d'abord, vous demander de faire ce même effort, c'est-à-dire d'imaginer que cette scène, ce paysage-là, est équivalent à ceci, c'est-à-dire une plaque chauffante. Bon, je n'ai pas mis la casserole dessus avec l'eau qui bout, mais vous imaginez que cette zone de Manhattan est en fait une grosse plaque chauffante. Donc on a un problème assez classique en physique de transfert thermique. C'est un problème tout à fait classique pour les ingénieurs, pour les physiciens, qui doivent, ou même pour des architectes qui doivent, ou des chauffagistes qui doivent dimensionner des radiateurs pour chauffer un logement. On a donc une surface chaude qui doit transférer la chaleur à un environnement, et donc on dimensionne cette surface chaude, dans le cas d'un radiateur, pour qu'elle puisse chauffer correctement la pièce, ni trop ni trop peu. Dans le cas d'un radiateur de voiture, c'est l'inverse, c'est pour évacuer de la chaleur. Donc ce sont des problèmes de physique tout à fait classiques. La chaleur, elle se transfère selon trois modes. Il y a par conduction d'abord, donc si vous touchez quelque chose de chaud, vous sentez que c'est chaud, c'est ça la conduction, c'est le contact. Il y a la convection qui peut être libre ou forcée. Donc ça, c'est le mode de transfert privilégié pour un radiateur, par exemple, dans un radiateur de chauffage. Et puis, il y a aussi le rayonnement auquel on n'est habituellement pas sensible, puisqu'il a lieu généralement dans l'infrarouge, sauf pour des objets qui sont chauffés vraiment très très fort et qui commencent à émettre de la lumière visible. Ces trois modes de transfert de chaleur, ils s'additionnent. C'est-à-dire que si je choisis uniquement un d'entre eux, par exemple la convection, je vais obtenir une valeur de la chaleur transférée qui est inférieure à la valeur totale, bien sûr, puisque les trois modes s'additionnent. Donc si je choisis, et c'est ce que je vais faire, de ne considérer que la convection, et la convection naturelle, c'est-à-dire le simple fait qu'une surface chaude dans une atmosphère plus froide va créer des mouvements de l'air au-dessus de cette surface qui vont donc transférer cette chaleur, par le simple fait que l'air chaud est moins dense que l'air froid, et donc qui monte, ce que vous savez tous, eh bien je vais pouvoir estimer une partie de la chaleur qui est évacuée par la surface chaude. Alors, je vais prendre d'abord un exemple à petite échelle pour vous montrer que la méthode est correcte et donne des résultats à peu près valables. Je prends une tasse, ou un mug, puisqu'en réalité ça s'appelle un mug, ce truc-là, rempli d'eau chaude, de tisane en l'occurrence, mais bon, on voit pas que c'est de la tisane, et je prends quelque chose que tout le monde peut faire, c'est-à-dire un thermomètre de cuisine, je trempe dedans, et puis un chronomètre, une montre, et je mesure la température au cours du temps. Chose vraiment très très simple, c'est une expérience de physique que tout le monde peut faire. Et j'obtiens ici une courbe qui montre la variation du delta T, donc la différence de température, au cours du temps. On part de 60 degrés, la différence de température avec la pièce, donc c'était 80 degrés la température de l'eau. Et puis, au bout d'un temps relativement long, c'est en secondes, hein, ici je l'ai mis, donc c'est plusieurs milliers de secondes, donc c'est plusieurs heures, on voit la température arriver à celle de la pièce. Donc, tout le monde a déjà fait l'expérience de laisser refroidir un café, une tisane, une soupe dans une assiette, et de voir que si on attend trop longtemps, c'est froid. En tout cas, c'est la température de la pièce. Ça ne descend pas en dessous, mais ça descend à la température de la pièce. Donc cette décroissance, c'est un phénomène vraiment très courant en physique, et qui porte le nom de décroissance exponentielle, parce que c'est une fonction exponentielle décroissante. En réalité, si on analyse un petit peu mieux les choses à l'aide d'une échelle logarithmique, ici, c'est la même courbe, mais qui est portée sur une échelle différente, on voit deux régimes. J'ai tracé deux droites de couleurs différentes pour qu'on voit bien la différence. Donc il y a deux temps de décroissance. Il y a une première décroissance au début qui est relativement rapide, enfin plus rapide que l'autre, parce qu'il y a des mouvements dans le fluide qui vont faire un transfert de chaleur assez rapide. Et puis, quand la différence de température est trop faible, ces mouvements s'arrêtent et donc le transfert se fait différemment et plus lentement. Mais bon, le temps caractéristique de refroidissement, il est de l'ordre de l'heure.
C'est un peu moins d'une heure pour la première décroissance et un peu plus pour l'autre. Si je reste dans les ordres de grandeur, je dirais que le temps caractéristique de la décroissance, c'est l'heure. On sait tous que la tasse, elle ne va pas se refroidir en 1 minute, elle ne va pas non plus mettre 3 jours pour se refroidir. Donc, par ailleurs, cette tasse, je peux évaluer sa puissance initiale de chauffe, c'est-à-dire la quantité de chaleur par unité de temps qu'elle restitue à la pièce, uniquement sur des considérations très simples qui sont sa géométrie, donc la surface du liquide en contact avec l'air, le coefficient de transfert thermique, bon ça c'est un truc d'ingénieur, on l'appelle H généralement, qui se trouve dans plein de bouquins, et puis la différence de température, bien sûr, entre le liquide et la pièce. Connaissant ça, et sachant que l'énergie, donc la chaleur, c'est la puissance multipliée par le temps, et, alors là attention, les images qui suivent vont pouvoir heurter les personnes sensibles, sachant que l'intégrale d'une exponentielle décroissante est égale à la puissance, enfin dans ce cas, à la puissance initiale multipliée par le temps caractéristique de la décroissance, ce qui m'est très pratique parce que ça signifie qu'il suffit que je connaisse la puissance initiale et le temps caractéristique pour avoir la quantité totale de chaleur, je n'ai pas besoin de connaître tous les points de la courbe. Eh bien ici, je multiplie simplement la puissance initiale qui est 13 watts par l'ordre de grandeur de la décroissance, j'ai pris 3600 secondes pour 1 heure, et j'obtiens 50 kilojoules. Bon, j'ai pris 1 heure, j'aurais pu prendre 1 heure et demie, hein, mais l'ordre de grandeur, c'est ça. Donc j'obtiens 50 kilojoules. Par ailleurs, puisque j'ai pris un exemple à échelle humaine, je peux calculer la vraie valeur de la quantité d'énergie qui a été restituée à l'air ambiant, puisque je connais la masse d'eau, je connais le volume de la tasse et je connais la masse volumique de l'eau, donc là c'était 300 grammes d'eau. Je connais la capacité thermique de l'eau, bon ça c'est quelque chose de très connu des étudiants en sciences, et je connais la différence de température initiale qui était de 60 degrés. Et si je fais ce calcul à partir de ces données-là qui sont pour le coup précises, j'obtiens 75 kilojoules. J'obtiens un résultat un petit peu supérieur, ce qui est normal d'ailleurs, mais en tout cas qui est du même ordre de grandeur et c'est la seule chose qui m'intéressait. Donc j'ai montré sur un exemple très simple que la méthode de calcul était valable. L'abstraction qu'il faut faire maintenant, c'est de s'imaginer que cette tasse et le World Trade Center, c'est la même chose en réalité. C'est ça aussi l'intérêt de la physique, c'est de pouvoir parvenir à des généralisations aussi osées que ça. Alors, comment s'en sortir dans le cas du World Trade Center? Eh bien, il se trouve qu'il y a eu beaucoup de relevés de température par thermographie infrarouge. Je pense que vous avez entendu parler de ce terme. Vous savez que quand on veut, par exemple, isoler des logements et voir où sont les fuites thermiques, on utilise des caméras infrarouges pour détecter les zones chaudes et voir là où il faut intervenir. Eh bien, curieusement, on a fait beaucoup de relevés pendant les jours, les semaines et même les mois qui ont suivi les attentats. On a fait des relevés aériens de thermographie infrarouge. Là, c'est un exemple de thermographie, bon celui-là on le voit bien heureusement, où on voit ici, pardon. Donc ça c'est la tour nord, ça c'est la tour sud, et ça c'est la tour numéro 7, celle qui s'est effondrée par solidarité avec les autres quelques heures plus tard. Et on voit bien, alors ce qui est intéressant là-dessus, c'est que on a, alors j'ai pas d'échelle de température là-dessus, il y en a une pour les gens qui ont fait ces relevés, mais on voit bien, même sans échelle, que l'empreinte thermique de ces trois bâtiments est à peu près semblable. Alors que le bâtiment numéro 7, lui, a aucune raison d'avoir eu, enfin, il n'a pas eu la même histoire théoriquement que le premier et le deuxième, puisque au moins celui-ci, on est sûr qu'il n'a pas reçu d'avion. Déjà, c'est un peu étonnant. Bon, mais bref, si j'utilise donc ce cliché et surtout d'autres qui sont plus précoces, donc juste après les attentats, puisque celui-ci il date déjà de 1 mois après les attentats, c'est le 7 octobre. Si j'utilise donc des clichés juste après, quelques jours après, je peux estimer de la même façon qu'avec la tasse.
je peux estimer quelle est la puissance initiale de chauffe. Et cette puissance, alors là je vous demande de me faire confiance parce que je ne vais quand même pas détailler le calcul, il est relativement simple, c'est le même principe, c'est toujours la surface, on estime à peu près la température, bon après comme elle n'est pas uniforme on fait certaines hypothèses, et donc la différence de température entre la surface et l'air ambiant combinée à l'air de cette surface et au coefficient de transfert thermique qui lui est bien connu, donne une puissance initiale de chauffe qui est de 70 MW. C'est déjà quelque chose de très conséquent. 70 mégawatts, c'est vraiment beaucoup. Ce qui explique ces gigantesques panaches qui ont duré pendant des semaines et des semaines, hein, et pas seulement juste après les attentats. Maintenant, pour avoir le temps caractéristique de décroissance, si je reste à l'ordre de grandeur, c'est relativement simple. Puisque je ne vous montre pas tous les clichés de thermographie infrarouge, mais il y en a un en particulier, le dernier que j'ai pu obtenir et qui est en libre accès, hein. Aucune des données que je montre ici ne sont secrètes. Il date du 12 février 2002, c'est-à-dire 5 mois après les attentats. Ce cliché, il montre qu'il y a toujours une chaleur résiduelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore à l'équilibre thermique 5 mois après les attentats. Alors évidemment, il fait beaucoup moins chaud, hein, mais on voit en fait un résidu au niveau de la tour nord ici, et puis on ne voit plus rien au niveau de la tour sud et du bâtiment numéro 7. Donc ça signifie que malgré tout, on n'a pas atteint l'équilibre 5 mois après. Donc j'ai pris 4 mois, pour prendre un petit peu moins. C'est-à-dire 10 puissance 7 secondes à peu près, 10 millions de secondes, ça fait 4 mois à peu près, sachant que 3 mois, un peu plus de 3 mois, 100 jours, c'est enfin, 100 jours après les attentats, il y avait encore des incendies. C'est-à-dire que le dernier incendie a été éteint officiellement, et là il y a plein de rapports de pompiers, de services techniques, le dernier incendie a été éteint dans les sous-sols du World Trade Center 100 jours après les attentats. Mais le phénomène sans doute le plus mystérieux survenu à Ground Zero est la chaleur extrême relevée sous le tas de débris pendant encore plusieurs semaines. Le 16 septembre, la NASA a pris ses photos thermographiques de Ground Zero qui indiquent un niveau de température inhabituellement élevé à la base des trois bâtiments effondrés. En dépit des fortes pluies du 14 septembre, les points chauds ont enregistré des pics de température de plus de 700 degrés sous les gravats. 6 semaines plus tard, alors que les fouilles progressaient, la situation semblait même avoir empiré. Oh, it's unbelievable. And this is 6 weeks later, almost 6 weeks later. And as we get closer to the center of this, it gets hotter and hotter. It's probably 1500 degrees. Le journal de l'Association des ingénieurs en sécurité a écrit: les relevés thermiques effectués chaque jour par hélicoptère montraient des températures souterraines allant de 200 degrés à plus de 1500 degrés centigrades. 8 semaines plus tard, les feux ne s'étaient toujours pas calmés. Onze semaines plus tard, les feux brûlaient toujours. As recently as the end of November, it was still 1100 degrees down underneath the rubble. Fin novembre et début décembre, on pouvait voir du givre couvrant le sol le matin, mais les débris fumaient toujours. The weird thing was, it was very cold when we were up there. I believe it was in the middle of the winter, but the ground wasn't frozen. The ground kind of like bubbled underneath your feet, which was kind of strange to me. Il fallut attendre le 19 décembre, plus de 3 mois après les effondrements, pour que le dernier incendie souterrain soit éteint. Donc 100 jours, ça fait donc 3 mois, un peu plus. Au bout de 5 mois, ce n'était pas encore complètement refroidi, donc j'ai pris 4 mois entre les deux, donc 10 puissance 7 secondes. Donc si vous combinez ces 10 puissance 7 secondes à ces 70 MW, vous obtenez la chaleur relâchée dans l'environnement par simple convection naturelle, qui est de 7 10 puissance 14 joules. 7 10 puissance 7 watts multiplié par 10 puissance 7 secondes, ça fait 7 10 puissance 14 joules, ou encore 0,7 pétajoules, puisque le pétajoule, c'est 10 puissance 15 joules. Donc, on ne parle plus en milliards, là, parce qu'on met des puissances de 10, parce que ça devient trop compliqué. Donc, pétajoules, c'est quand même beaucoup. Voilà, je n'en dirai pas plus, c'est énorme.
Donc l'ordre de grandeur, c'est le pétajoule, sachant que c'est une estimation inférieure de la véritable quantité de chaleur. Donc il faut retenir cette valeur. Donc moi je dirais, d'où vient le pétajoule? Voilà, c'est ça un peu la question qu'il faut se poser. Sachant que c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, deux questions, enfin on peut avoir deux idées sur l'origine d'une énergie. En gros, l'énergie, elle peut être d'origine chimique ou d'origine nucléaire. Et je vais vous montrer que, enfin vous le savez déjà, mais c'est pas du tout la même chose. Donc je vais faire un retour aux fondamentaux. Donc, je vais vous demander un effort supplémentaire dans l'abstraction. Voilà un exemple d'énergie chimique. Ne rigolez pas, c'est tout à fait sérieux. La nourriture que vous prenez, que vous ingurgitez, quelle qu'elle soit, elle vous donne de l'énergie par les réactions chimiques qui ont lieu à l'intérieur de votre corps. C'est le même type d'énergie, d'un point de vue encore une fois très, très général, c'est le même type d'énergie que l'énergie qui est dégagée par la combustion d'un carburant ou même par l'explosion d'un explosif. Ça ne se fait pas de la même façon, ça ne se fait pas à la même température, heureusement pour nous. Ça se fait à basse température grâce à des réactions biochimiques qui sont très, très compliquées. Mais l'ordre de grandeur de l'énergie dégagée par les aliments est le même que par unité de masse que l'énergie dégagée par un combustible ou par un explosif. Un explosif, c'est même un peu moins parce qu'il n'utilise pas l'oxygène de l'air. Alors, cette énergie, vous pouvez la lire sur tous les paquets de nourriture industrielle. Je ne vous encourage pas à acheter la nourriture industrielle, c'est juste pour vous montrer que c'est marqué dessus. Hein, il vaut mieux évidemment prendre des produits frais, mais si vous prenez par exemple ici, comme c'est donné en général pour 100 grammes et pas par kilogramme, vous avez les valeurs nutritionnelles qui sont indiquées ici, qui sont de 921 kilojoules pour 100 grammes. Donc je multiplie par 10 pour avoir un kilogramme, donc ça fait 9210 kilojoules ou encore 9 mégajoules. De l'ordre de 10 mégajoules par kilogramme. C'est toujours le même ordre de grandeur si j'en reste aux ordres de grandeur, si je ne vais pas chercher le facteur 2, voire le facteur 3. Par exemple, le pétrole, ça va être 42 mégajoules par kilogramme. Alors, ce n'est pas 10, mais ça reste du même ordre de grandeur. Si vous prenez des explosifs, ça sera moins. Et ça sera toujours la même chose pour toute source d'énergie chimique, quelle que soit... Les technologies qu'on puisse employer. Donc je ne blague pas, les aliments, c'est vraiment de l'énergie chimique, exactement comme l'essence que vous mettez dans votre voiture. Pour l'énergie nucléaire, c'est tout à fait différent. La limite théorique de l'énergie par unité de masse qu'on peut obtenir avec du nucléaire, c'est 10 puissance 14 joules par kilogramme. Donc beaucoup, beaucoup plus, puisque ça fait 10 puissance 7 fois plus, c'est-à-dire 10 millions de fois plus. Je vais voir qu'en limite pratique, on est en dessous, mais malgré tout, il y a encore de la marge. 10 puissance 14, et en pratique, si vous prenez par exemple une bombe nucléaire, alors il y en a différents types, il y en avait qui étaient plus ou moins efficaces, mais si vous prenez l'énergie dégagée par plusieurs bombes nucléaires, ce qu'on note généralement sous forme de kilotonnes ou équivalent kilotonnes TNT, en réalité on parle de puissance, mais c'est une énergie, on va dire que la moyenne c'est autour de 10 puissance 11 joules par kilogramme, c'est-à-dire encore 10 000 fois plus que l'énergie chimique, en pratique. Hein, parce que dans une bombe nucléaire, il y a beaucoup de masse qui est en réalité non nucléaire, enfin, qui ne participe pas à la réaction nucléaire. Et encore une fois, c'est systématique, il y a vraiment cette différence énorme entre l'énergie chimique et l'énergie nucléaire. Et j'aimerais bien vous montrer que cette différence, elle a une origine vraiment très très profonde, pour un peu couper l'herbe sous le pied à tous ceux qui disent « Ah oui, mais bon, on pourra, avec certaines techniques ou certaines technologies... faire plus pour de l'énergie chimique, avec des nanotrucs et des nanobidules », je vais vous montrer que c'est faux. Parce qu'en réalité,
Les raisons profondes sont vraiment profondes. Et à moins de révolutionner la physique, ce que je ne me risquerai pas à faire, on peut montrer que ces valeurs que je donne là sont vraiment indépassables. Donc, toute loi générale cache des principes fondamentaux. Essayons de voir lesquels. Du point de vue du physicien, la matière, ou du chimiste, hein, la matière, c'est un assemblage de molécules. Voilà, par exemple, une molécule, enfin une représentation, bien sûr, de molécules, qui est une molécule de théobromine, qui se trouve dans le chocolat. Oui, on voit un petit peu les couleurs quand même. En bleu, ici, pardon. En bleu, c'est l'azote. En gris, c'est le carbone. En blanc, c'est l'hydrogène. En rouge, c'est l'oxygène. Ces molécules sont des assemblages d'atomes, comme vous le voyez, et les atomes eux-mêmes sont des assemblages d'électrons et de nucléons. Les nucléons, par définition, c'est ce qui se trouve à l'intérieur du noyau, c'est-à-dire les protons et les neutrons. Et là, c'est une représentation, mais encore une fois, ce n'est qu'une représentation, donc c'est vraiment un schéma et rien d'autre. Évidemment, on ne peut pas faire une photo de ça, mais c'est pour montrer l'atome vu comme un nuage d'électrons, ici, avec au centre un noyau qui est beaucoup, beaucoup plus petit que le nuage d'électrons. Et donc, ici, il s'agit d'un atome d'hélium avec deux protons et deux neutrons. Bon. Alors, vous allez me dire, quel est le rapport avec ce que je viens de dire avant? Mais vous allez voir, il y a un rapport. C'est que ces assemblages d'atomes pour les molécules, ou ces assemblages de nucléons pour les noyaux des atomes, ils tiennent entre eux par des énergies de liaison. Et donc, quand on parle d'énergie chimique, une énergie chimique, c'est l'énergie qui est dégagée par une réaction chimique. Or, une réaction chimique, ce n'est rien d'autre qu'un partage d'électrons entre les atomes. C'est-à-dire que lorsqu'on a un composé comme la théobromine que je vous ai montré tout à l'heure, le fait que les atomes tiennent les uns avec les autres, ça signifie qu'il y a des électrons qui sont partagés entre plusieurs atomes. Et lorsque les électrons sont partagés entre plusieurs atomes, ils modifient leur niveau d'énergie par rapport au cas où l'électron il est tout seul autour du noyau de son atome. Or, les niveaux d'énergie des électrons, on les connaît très bien, c'est des choses qui sont maintenant bien connues. On sait quelle est la quantité d'énergie qu'il faut communiquer à un électron pour l'arracher de son atome. On sait quels sont les différents niveaux d'énergie, ça c'est de la physique quantique, qu'un électron sur un atome ou dans un atome peut avoir. Et donc on connaît très bien ces niveaux d'énergie, on sait qu'ils sont très petits bien sûr, puisqu'un atome et un électron c'est très petit. On utilise souvent une unité qu'on appelle l'électron-volt, parce qu'il se trouve qu'elle est commode, et les niveaux d'énergie des électrons dans les atomes sont de l'ordre de quelques électrons-volts. Donc dans une réaction chimique, à chaque fois qu'il y a une réaction chimique, ça veut dire qu'il y a un électron qui est passé d'un atome à un autre, ou qui s'est mis en commun entre plusieurs atomes, et il y a une énergie qui est de l'ordre de l'électron-volt par électron qui a participé à cette réaction chimique. Dans une réaction nucléaire, c'est maintenant les nucléons, donc les protons et les neutrons, qui vont changer leur configuration, donc ils vont changer leur niveau d'énergie. Et leur énergie, elle est beaucoup, beaucoup plus élevée. Elle est de l'ordre du million d'électron-volts, ce qu'on appelle le MeV, ou méga-électron-volt. Donc c'est un million de fois plus. Et d'ailleurs, c'est à cause de ça, plutôt, que vient le terme atome. Atome, ça veut dire ce qu'on ne peut pas couper. Hein. Bon, maintenant, on sait qu'on peut les couper, les atomes. Mais à l'origine, atome, c'était ce qui était impossible de couper. On pouvait couper les molécules pour en faire... pour justement extraire différents atomes, mais on ne pouvait pas couper le noyau. Maintenant, on sait que si. Donc, une réaction nucléaire, c'est de l'ordre du méga-électron-volt, ou un million d'électron-volts par nucléon concerné. Alors, la question, maintenant, c'est combien de nucléons par électron, puisque d'un côté, je m'intéresse à l'électron qui participe à la réaction chimique, et de l'autre côté, je m'intéresse au nucléon. Eh bien, c'est assez simple, en fait, puisque la matière est électriquement neutre. Donc, dès qu'on a un électron, il y a un proton avec. Sinon, la matière ne serait pas électriquement neutre. Donc, un électron, il a une charge négative. Le proton, il a une charge positive. Il faut obligatoirement qu'il y ait un proton avec un électron pour que la matière reste neutre. Alors, en plus de ça, dans le noyau, il y a des neutrons qui ne sont pas chargés. Et donc, il y a une masse supplémentaire qui vient des neutrons. C'est ce qu'on représente dans les cours de physique.
par un diagramme qui montre tous les éléments. Alors on voit assez mal ici à cause du vidéoprojecteur, qui montre tous les éléments possibles, donc de l'hydrogène ici jusqu'aux éléments très très lourds ici, en fonction de leur nombre de protons ici et de leur nombre de neutrons. On voit qu'en gros il y a un peu plus d'un neutron par proton, sauf pour l'hydrogène qui lui n'a que un proton et un électron, donc pas de neutron. Donc si je mets par exemple sur ce graphique le fer, ici un isotope du fer qui est le fer 56, le fer il a 26 protons et 30, enfin le fer 56 a 26 protons et 30 neutrons, c'est pour ça qu'on l'appelle fer 56, puisque 26 plus 30 ça fait 56. Et l'uranium, qui est un élément beaucoup plus lourd, l'uranium 238, le stable, lui, on l'appelle 238 parce qu'il a 92 protons, 146 neutrons, 92 plus 146, ça fait 238. Donc là, évidemment, on s'écarte un peu de la règle un peu plus d'un neutron pour un proton, mais ce n'est pas grave. Donc si je ne retiens qu'un ordre de grandeur, et qui est que l'énergie chimique, c'est un électron volt par électron engagé, et l'énergie nucléaire, 1 mégaélectronvolt par nucléon engagé, sachant que ces énergies sont relatives à la même masse, puisque dès qu'il y a un électron, il y a forcément le proton qui va avec, donc le noyau qui va avec. Bon, c'est les noyaux qui font la masse, les électrons comptent pratiquement pour du beurre dans la masse. Et ce qui est important de voir, c'est que dès qu'on a une réaction chimique, il y a forcément le noyau de l'atome, même si ce sont les électrons qui participent à la réaction. Donc tout électron est associé à un proton dans un atome. Donc il y a un facteur théorique d'1 million. Alors tout à l'heure, je vous perturbe peut-être un peu parce que j'ai parlé de 10 millions, mais c'est parce que j'avais pris un exemple qui n'était pas l'exemple extrême. Il y a un facteur théorique d'1 million entre l'énergie chimique et l'énergie nucléaire. Parce que si on prend l'hydrogène, donc qui est le premier élément ici, qui est constitué d'un proton et d'un électron, on arrive jusqu'à 100 mégajoules par kilogramme, donc effectivement, ce n'était pas les 10 millions que je prenais tout à l'heure, ça fait plus qu'un million. Mais surtout, ce qui est important, c'est que ce facteur, il dépend vraiment de rien. Enfin, c'est vraiment la matière qui est faite comme ça. C'est indépendant des détails du problème. Donc si je calcule donc 1 électron volt divisé par la masse du proton, j'obtiens 10 puissance 8 joules par kilogramme. Si je prends 1 mégaélectronvolt divisé par la masse du proton, j'obtiens 10 puissance 14 joules par kilogramme. Donc il y a vraiment le facteur 1 million. Et ça, c'est indépendant de toute technologie. Ce n'est pas la peine de nous parler de nanobidules. Ça ne peut pas marcher. Et on ne pourra pas aller au-delà de ça. Alors ça, c'est le facteur théorique. Le facteur pratique, je vous ai dit, il est moins fort qu'un million, c'est 10 000. Mais ça reste quand même 10 000. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça ? Bon, on peut quand même tirer une conclusion assez intéressante, sachant que la chaleur relâchée par Grande Zéro tout au cours de son refroidissement, qui a duré des mois, hein, je rappelle, est de l'ordre de 1 pétajoule, et sachant que l'énergie chimique a une limite qui est de l'ordre du 10 mégajoules par kilogramme, il fallait, pour expliquer cette chaleur comme étant la résultante d'une combustion, de n'importe quoi, ou même d'explosifs, ou tout ce que vous voulez, enfin, toute origine chimique possible, il aurait fallu une masse de combustible de l'ordre de 100 000 tonnes. 100 000 tonnes, c'est quand même pas rien. Par contre, si je me base sur l'énergie nucléaire, alors pas sur la limite théorique maximale, mais sur la limite pratique, donc la limite d'un explosif nucléaire, j'obtiens cette fois une masse de 10 tonnes. Donc, par exemple, 3 bombes nucléaires de 3 tonnes. Pour faire simple. Donc, sachant que d'après le NIST lui-même, ou même plein d'autres documents, chacune des tours jumelles contenait environ 100 000 tonnes d'acier, bon, pour le bâtiment 7, je ne sais plus combien, mais je pense que ça devait être inférieur, il paraît relativement inévitable d'aboutir à la conclusion que la source d'énergie, quelle qu'elle soit, qui a pu dégager autant de chaleur pendant des mois ne pouvait qu'être nucléaire pour avoir une masse suffisamment petite. Parce que imaginez que les tours ou une fraction significative des tours
étaient combustibles, alors qu'elles étaient constituées majoritairement d'acier et de béton, même s'il y avait évidemment du papier à l'intérieur, qu'on n'a d'ailleurs pas vu vraiment brûler. Bon, c'est encore autre chose, on a vu plein de papier qui redescendait en l'air. C'est impossible d'aboutir à une autre conclusion. Donc la chaleur dégagée à grande zéro nécessite une source nucléaire. À ce stade-là, je ne dis pas que c'est un explosif nucléaire. Je me base que sur la quantité totale de chaleur relâchée et pas sur la façon dont cette énergie a été relâchée. Mais bon, il est clair que on peut quand même avoir envie de penser à un explosif nucléaire, puisque les événements qui ont eu lieu sont manifestement assez brutaux pour les trois bâtiments. Et en plus, on peut s'intéresser aussi, ce que j'ai fait, au discours ambiant des scientifiques et des ingénieurs dans les années 60, c'est-à-dire les années de conception et de construction du World Trade Center, puisqu'il a été inauguré, enfin les tours jumelles ont été inaugurées en 70 ou 71, je ne me rappelle plus très bien. Et en particulier, je me suis intéressé à un livre que j'ai ici, que j'ai acheté d'occasion, qui date de 1968 et qui s'appelle « The Constructive Uses of Nuclear Explosives », c'est-à-dire les utilisations constructives des explosifs nucléaires. Donc on l'a un petit peu oublié aujourd'hui, mais à cette époque-là, le nucléaire était très à la mode, pas uniquement pour les centrales nucléaires, mais y compris les explosifs nucléaires étaient promus pour des utilisations civiles et ont été utilisés pour des utilisations civiles. Aussi bien aux États-Unis qu'en URSS. En France, il y a eu des études de fait aussi là-dessus avec le CEA. Alors bien sûr, quand on dit il y a eu des explosions nucléaires dans les sous-sols du World Trade Center, tout de suite, les gens vous disent ça va pas la tête. Et puis la marmotte, elle met le chocolat dans le papier alu. Enfin, on vous prend tout de suite pour un timbré. Moi, le premier. La première fois qu'on m'a dit ça, je me suis dit c'est complètement délirant, cette histoire. Mais est-ce qu'on sait réellement ce que peuvent faire des explosions nucléaires souterraines, quand on n'a pas vraiment mis le nez dans les livres et dans les publications? En tant que physicien, moi, qui ne suis pas physicien nucléaire, mais j'avoue que j'avais à peu près aucune idée de ce que pouvaient faire les explosions nucléaires souterraines. Je ne parle pas des explosions nucléaires aériennes, je parle des explosions nucléaires souterraines. Donc on va essayer de... Alors, on voit... Bon, si on voit suffisamment, on va essayer de voir un exemple de ce qui se passe en surface pour une explosion nucléaire souterraine. Donc c'est un test américain, je ne sais pas lequel, mais s'il se trouve sur une chaîne YouTube dont vous voyez le nom ici, qui s'appelle Atom Central. Donc ça, c'est ce qui se passe après une explosion nucléaire souterraine aux États-Unis, parmi un des nombreux essais nucléaires souterrains. Donc, est-ce que c'est évident pour tout le monde qu'une explosion nucléaire souterraine peut créer une cavité, enfin une cuvette, hein, puisque là c'est une cuvette qui se forme? J'avoue que pour moi, c'était pas du tout évident, et que quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, tiens, comment est-ce possible? J'ignorais totalement que ce genre de choses était possible. Donc on s'attend à avoir, comme pour toute explosion, une projection de matière, donc éventuellement un cratère qui se forme, mais après avoir éjection de matière. Or ici, on a un cratère qui se forme sans éjection de matière. On a directement des pressions qui se forment. L'impression qu'il y a eu un aspirateur en bas qui a creusé la cuvette. Donc une bombe nucléaire souterraine peut créer une dépression en surface, c'est pas évident. Comment est-ce possible? Évidemment, il n'y a pas de miracle, c'est pas de la magie, c'est de la physique. Donc pour essayer d'expliquer ça, je vais revenir encore en arrière. Donc vous savez que le général de Gaulle avait décidé la création du commissariat à l'énergie atomique en 1945, pour des recherches civiles et militaires, en réalité surtout militaires au départ. La motivation principale était d'acquérir la dissuasion nucléaire, mais bon,
Il se trouve que les ingénieurs et scientifiques français ont acquis une connaissance assez bonne du nucléaire grâce à cette création du CEA. Et aujourd'hui encore, on trouve en libre accès sur Internet des articles qui sont même en français, puisque ce sont des Français qui les ont écrits, du Commissariat à l'énergie atomique, donc comme celui-ci qui s'appelle Phénoménologie générale des explosions nucléaires souterraines, qui date de 1969, ou encore un autre de 1970 qui s'appelle Productivité des gisements d'hydrocarbures stimulés avec des explosions nucléaires. Vous avez certainement tous entendu parler de la fracturation hydraulique pour le gaz de schiste ou le pétrole de schiste, mais sachez qu'on a fait des expériences de fracturation nucléaire pour le pétrole et le gaz de schiste également dans les années 60 à 70. Il y a eu des expériences menées en vraie grandeur. Ou encore une autre publication dont je reprends ici juste le titre, qui nous intéresse particulièrement, qui s'appelle « Distribution de la température après une explosion nucléaire souterraine dans un terrain granitique ». Et alors, je n'ai pas ici la publication, mais où on voit que des mois après, 6 mois après, il y a encore énormément de chaleur en sous-sol et qu'il fait encore très 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 chaud. Donc ça date de 1972. Donc tout est dans la littérature, une littérature qui est librement accessible. Encore une fois, il n'y a rien de secret dans ce que je vous montre ici. Et c'est ça d'ailleurs un des intérêts de la chose, c'est que chacun peut vérifier par soi-même et se faire sa propre idée en fonction de ses compétences, qu'il soit ingénieur, architecte, scientifique, physicien. Il n'y a pas besoin de beaucoup de connaissances pour comprendre ceci. Alors, mettons-nous un peu dans la tête d'un ingénieur des années 60. Alors, je vais prendre quand même un ingénieur de très haute gamme, qui est ici Edward Teller, qui est, on peut dire, le papa de la bombe H américaine, qui est un immigré hongrois, qui, pour la petite histoire, avait été un des personnages qui ont inspiré Stanley Kubrick pour son film Docteur Follamour. Docteur Follamour, avons-nous un projet semblable en chantier ? Un instant, s'il vous plaît, monsieur le président. Il semble que l'autorité que je possède en tant que directeur de recherche et mise au point de l'armement, j'ai confié l'an dernier une étude de ce projet à la société Plant. En me fondant sur les données du rapport, j'ai conclu que cet enjeu était inadéquat comme moyen de dissuasion pour des raisons qui aujourd'hui ne sont que trop évidentes. Donc, ce monsieur donc, a écrit un livre qui détaille ce qu'on peut faire. Enfin, il n'est pas le seul, ils sont quatre auteurs, je crois. Mais il était un fervent partisan des explosifs nucléaires pour les applications civiles, et il détaille vraiment de façon très très à la fois très scientifique et très pratique tout ce qu'on peut faire avec des bombes nucléaires, comme creuser des canaux, des ports, etc. Des canaux, pardon. Et alors je ne vais pas reprendre des schémas de ce livre, puisque ici j'ai extrait un schéma, même deux schémas, des publications des publications du CEA qui ont l'avantage d'être en français, donc avec une légende en français. Alors il y a deux schémas ici que je voudrais détailler. Le premier ici, il représente ce qui se passe après une explosion nucléaire à forte profondeur dans une roche dure. Alors, ça, c'est l'état final, hein, que tout ne se passe pas dans un premier temps. Ce qui se passe dans un premier temps, c'est la création, ici, quasi instantanée, d'une cavité extrêmement chaude contenant un plasma à très très haute température et très très haute pression. C'est vraiment quelque chose de difficilement imaginable. Ce sont des températures et des pressions qui sont vraiment absolument extraordinaires, qui sont de l'ordre de grandeur de ce qu'on trouve dans les étoiles. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la lecture de ce livre, parce que, en quelque sorte, Teller, il fait de l'astrophysique. Non, il explique que, finalement, c'est pas compliqué, c'est de l'astrophysique, ce qui se passe dans des explosions nucléaires souterraines. Et au moment où cette cavité remplie d'un plasma très très dense, très chaud, à très très haute pression se forme, il se produit une onde de choc, parce que la pression est terrible, évidemment, et cette onde de choc,
se propage de façon radiale autour de la cavité et elle désagrège la roche de façon de plus en plus grossière au fur et à mesure, bien sûr, qu'on s'éloigne de l'épicentre ici. C'est-à-dire que tout autour, c'est quasiment du sable. La roche, elle devient instantanément du sable. Elle est complètement désagrégée. Et puis, plus on s'éloigne, plus ça forme des gros blocs. Et puis, quand on va un peu trop loin, plus loin, ça fait simplement des fissures dans la roche. Donc ça, c'est un effet quasi immédiat. Alors, l'effet vraiment, à l'ordre de la microseconde, c'est la libération d'énergie, formation de la cavité, propagation de l'onde de choc à une vitesse de l'ordre de 1000 mètres par seconde qui désagrège la roche. Et ensuite, on va avoir fusion de la roche qui est dans le pourtour de la cavité, qui va dégouliner et tomber au fond, c'est ce qui est marqué en noir ici. Et la pression à l'intérieur de la cavité va diminuer au fur et à mesure que la chaleur se diffuse. Et donc, à la fois la température et la pression vont retomber. Or, je vous ai dit, la roche, elle est complètement désagrégée, donc elle n'a plus aucune cohésion tout autour, dans tous les sens. Il y a une symétrie à peu près sphérique autour de l'explosion. Donc si la pression dans la cavité baisse en dessous d'un certain seuil, ce qui se passe, c'est que le toit de la cavité s'effondre. Et il se produit ici une cheminée d'effondrement. Donc ça, c'est vraiment à peu près systématique, sauf dans des cas très particuliers, comme des mines de sel, il y a toujours une cheminée d'effondrement qui se produit au-dessus de la cavité dont la hauteur est de l'ordre de 3 ou 4 rayons de cavité. Ça va dépendre un petit peu des matériaux, mais c'est très très bien documenté. Il y a des tas d'essais qui ont été faits, il y en a suffisamment pour qu'on voit que c'est vraiment une loi générale. Donc on a une cheminée d'effondrement qui se forme ici, puis si là on est à forte profondeur, ben cette cheminée s'arrête à un certain moment, là où la roche est suffisamment cohésive pour rester en place, et puis il se forme un vide au-dessus de la cheminée, voilà, ici. Donc il n'y a plus de vide ici, il n'y a plus de cavité, mais ça, tout ça c'est rempli par les débris, et puis il se forme un vide en haut de la cheminée, pour simplement translation de matière. Par contre, si ça se produit plus près de la surface, ce qui est le cas ici, eh bien la cheminée elle débouche en surface et elle forme la cuvette que vous avez vue tout à l'heure dans la vidéo. Donc paradoxalement, la pression dégagée par l'explosion atomique, enfin nucléaire, est tellement forte qu'elle parvient à compacter la roche suffisamment pour créer une dépression en surface une fois que la cheminée d'effondrement s'est formée. Voilà. Donc c'est le haut de la cheminée d'effondrement qui forme cette cuvette. Alors c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est tout à fait facile à comprendre, parce que quand on a en tête une roche, on essaie d'appuyer sur une roche, on ne voit pas tellement comment on peut la compresser encore plus. À la main, en tout cas, on n'y arrive pas. Et même en prenant des outils, c'est difficile. Pour une explosion nucléaire, ce n'est pas un problème. On n'est pas encore à la limite, là. Donc on peut encore compacter et on peut pousser la roche de façon suffisante pour créer en surface ce cratère. Donc, revenons dans la tête de ce monsieur Teller, ou d'autres, plein d'autres de la même époque, qui étaient vraiment enthousiasmés par l'utilisation des explosifs nucléaires, et qui disaient « c'est une énergie peu chère par rapport à la quantité d'énergie dégagée », il avait tout à fait raison, « c'est une énergie qui est sûre », et là encore, il a raison, un explosif nucléaire a beaucoup moins de chances d'exploser de façon accidentelle qu'un explosif chimique. Et surtout, ça permet de dégager des quantités d'énergie avec des puissances phénoménales qui permettent de réaliser des grands travaux en peu de temps, même si ensuite les finitions, bien sûr, vont être faites de façon plus classique. Alors bien sûr, il y a un problème de la contamination radioactive, mais si vous lisez le livre, en gros, c'est pas un problème insurmontable, d'après les auteurs du livre. Donc il est reconnu qu'il y a quand même des problèmes de contamination, mais que c'est quand même pas quelque chose de tout à fait insurmontable si on prend quelques précautions. Alors j'aimerais vous montrer une deuxième vidéo. Est-ce que ça marche? Приближается час, когда будет осуществлен первый подземный ядерный взрыв на выброс для дела мира. Включен программный автомат.
Идет отсчет времени. Осталось 5 секунд. 4, 3, 2, 1, 0. Взрыв выбросил из недр Земли более 10 миллионов кубометров грунта. Так возникла эта гигантская воронка. Пробы грунта, взятые с различных ее участков из пылевого следа, показали, что уже через 50 дней после взрыва величина радиоактивности снизилась до безопасных норм. Это послужило сигналом к началу работ по прорытию канала для спуска в воронку паводковых вод. Приходилось спешить. Паводок был не за горами. И вот пришла большая вода. Взорвана перемычка на канале. Воды Чигана устремились в воронку. Не меньше 2000 кубометров воды в минуту. Вот мощность этого искусственного водопада. Воронка заполнялась водой даже быстрее, чем предполагалось. На третьи сутки объем воды в воронке был равен 3 миллионам кубометров. А через несколько дней он достиг уже 8 миллионов кубометров. Кроме того, перед брустером воронки образовался еще и внешний водоем объемом в 12 миллионов кубометров. Возникает все же вопрос, а не опасна ли вода водоемов для здоровья человека и животных? В разное время из разных мест экспериментального водохранилища брались пробы воды. Исследования этих проб на радиоактивность показали, что вода искусственных водоемов, созданных энергией ядерных взрывов, совершенно безопасна для человека. Она вполне пригодна для орошения полей и водопоя скота. Je ne sais pas s'il y a des russophones parmi vous. Vous avez compris que c'était du russe. Alors, cette vidéo que je vous ai montrée, c'est une vidéo de propagande soviétique de 1965, qui est la création d'un lac artificiel par explosion nucléaire en Union soviétique. C'est le lac Chagan. Et comme vous avez pu le comprendre, on commence par faire exploser une bombe nucléaire souterraine, bon, qui, elle, est conçue pour produire un cratère par éjection de matière, donc pour créer donc, la forme du lac. Ensuite, on crée un petit canal, parce que c'était juste, ce cratère a été créé juste à côté d'une rivière. Ensuite, on crée un petit canal pour alimenter ce réservoir, ce lac. Et là, on fait sauter la digue finale avec une autre bombe nucléaire. Et bon, ce qui est assez frappant, c'est qu'on voit clairement des scientifiques avec une petite musique apaisante vous montrer qu'il n'y a absolument aucun danger et qu'on contrôle, tout est bien qui finit bien, on contrôle tout à fait la radioactivité. Et la preuve finale, c'est le type qui plonge en slip de bain à la fin. On ne dit pas combien de temps après l'explosion et qu'est-ce qu'il est devenu après, mais en tout cas, dans la tête des gens de l'époque, c'était pas du tout quelque chose de complètement délirant d'utiliser des bombes nucléaires pour faire des applications civiles. Donc là, c'était un lac pour l'irrigation, je crois. Donc il y a eu, aux États-Unis aussi bien qu'en Union soviétique, des programmes très importants d'utilisation d'explosifs nucléaires pour des applications civiles. Some 6 miles from this tiny western Colorado town, a unique experiment will be conducted by a joint industry and government team. A nuclear explosive equal to 40,000 tons of TNT will be used to shake loose a great natural gas reserve locked tightly in a formation called the Mesa Verde. The experiment is called Project Rulison. Donc pas de jaloux, russe, américain, les deux, ils ont fait à peu près la même chose. Donc c'est pour essayer de vous remettre un petit peu dans l'ambiance de l'époque et pour essayer d'admettre que c'était pas forcément quelque chose de totalement fou d'envisager d'utiliser
un explosif nucléaire pour détruire un bâtiment. Alors évidemment, pas dans un but criminel, mais dans un but de démolition programmée, comme on le fait classiquement pour certains bâtiments, où on va concevoir des endroits pour mettre de l'explosif à la construction même. Sauf que là, évidemment, ça aurait été un explosif nucléaire. Ce qui ne veut pas dire que l'explosif était présent dès le départ, pas du tout, mais qu'il fallait concevoir un dispositif dès la fabrication, dès la construction, bien sûr, même avant la construction, permettant d'apporter un explosif nucléaire au bon endroit pour obtenir l'effet désiré. Ce qui signifie un tunnel, un ascenseur, je ne sais pas quoi, enfin, une canalisation quelconque pour amener la bombe exactement comme on fait pour des essais nucléaires souterrains. Alors, malgré tout, je vais vous montrer qu'il y a des choses qui fâchent encore un petit peu, enfin qui ne sont pas tout à fait cohérentes dans ce que je vous dis, ou en tout cas entre ce que je dis et la réalité ou les publications qui ont été faites autour de cette réalité, en particulier ce qui concerne l'analyse sismique. Donc, j'ai un peu de problème avec l'analyse sismique parce que d'une part je ne suis pas sismologue et d'autre part j'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé grand chose comme publication sur les analyses sismiques des événements du 11 septembre. En fait, on a l'impression que ça revient toujours au même article. C'est ça qui est un petit peu embêtant. Sachant qu'en science, on a l'habitude d'avoir des résultats qui sont confirmés par plusieurs équipes. Là, j'ai eu beau chercher, alors je ne sais pas si c'est que je m'y prends mal, mais je retombe toujours plus ou moins sur le même article, qui est celui que vous voyez ici. Donc, l'analyse sismique pose problème, pourquoi ? Parce que si on envisage des explosifs, j'ai bien dit que mon argument ne démontrait pas en toute rigueur qu'il s'agissait d'explosifs, qu'il s'agissait seulement d'une source d'énergie nucléaire, mais bon, quand même de fortes présomptions pour que ce soit un explosif. Si on envisage donc un explosif nucléaire de l'ordre de... Alors ça ferait, si je traduis en kilotonnes, c'est de l'ordre de entre 50 et 100 kilotonnes hein, par bâtiment, qui est conçu pour détruire le bâtiment, on devrait ou on aurait dû enregistrer des séismes d'une magnitude qui est très supérieure à la magnitude qui a été publiée. Donc par cette publication-là, puisque je n'ai pas trouvé grand-chose d'autre. Donc c'est 2, quelque chose, je ne me rappelle plus, on ne voit rien sur l'écran. Alors que pour un explosif de cette taille, on devrait trouver 5, magnitude 5, ou voire un peu plus. Par contre, il y a aussi, alors ça c'est la sismologie instrumentée, et qui peut éventuellement être instrumentalisée par des pouvoirs politiques, donc c'est ça le problème, c'est est-ce qu'on fait une confiance aveugle aux publications scientifiques ou dans un problème où, de toute évidence, certaines données ont été masquées, est-ce qu'il n'y a pas un risque non plus de faire trop confiance à certaines publications institutionnelles ? Donc, il y a eu aussi des observations indirectes de sismologie, par exemple de caméras montées sur des pieds et qu'on voit bouger, même trembler assez fortement, avant l'effondrement des bâtiments. Or, ces observations indirectes, qui sont évidemment pas, enfin, qui ne permettent pas de déterminer la magnitude du séisme ou de façon vraiment très très grossière, elles sont plutôt en accord avec ce que je vous dis, c'est-à-dire que la formation de la cheminée d'effondrement, elle n'a pas lieu au moment de l'explosion, elle a lieu alors à des temps qui peuvent être très variables suivant les cas, mais qui peuvent être de l'ordre de la dizaine de secondes, de la minute ou de plusieurs minutes après l'explosion. Or, il y a plusieurs vidéos qui permettent de voir une caméra qui tremble 12 secondes avant l'effondrement de la tour nord. Et c'est vraiment net. Alors, on pourra toujours dire que c'est le caméraman qui a donné un coup de pied dans le trépied, évidemment. Alors, par contre, s'il y a plusieurs vidéos prises par des caméramans différents à différents endroits et qui toutes ont plus ou moins le même phénomène, là, on peut peut-être se poser des questions. Il y a malheureusement bien d'autres choses qui plaident en la faveur de l'explosif nucléaire, et en particulier le nombre de cas de cancer chez les personnes qui ont été directement exposées aux poussières de Grande Zéro, donc tous les sauveteurs. Il y a aujourd'hui plus de 10 000 cas de cancer qui ont été officiellement déclarés
donc à cause de la poussière toxique. Alors évidemment, on ne dit pas que c'est des cancers d'origine radioactive, on parle de l'amiante, etc. Mais malheureusement, il semble que ce soit, encore une fois, un camouflage. Il y a d'autres indices, comme des nuages de poussière très chauds, très opaques aussi, donc contenant beaucoup de métal. Production de tritium aussi à grande zéro qui a été détectée, qu'on a tenté de justifier de manière assez abracadabrantesque. Je pourrais en parler. Et puis, je dirais aussi qu'il y a que le terme même de ground zero, on peut se poser des questions. Évidemment, ce n'est pas une preuve scientifique que je vous donne là, mais ground zero, ça veut dire quelque chose de précis avant le 11 septembre. Ça veut dire le point du sol à la verticale d'une explosion nucléaire. Aussi bien une explosion aérienne qu'une explosion souterraine. C'est un terme qui ne voulait dire que ça avant le 11 septembre et qui était un terme de militaire, quoi. Un terme de militaire pour désigner le terme de la surface du sol, y compris dans des essais civils, hein. D'ailleurs, j'ai des photos des tests de fracturation nucléaire dont je parlais tout à l'heure, où on voit très bien sur la photo une légende « Ground Zero », et c'est le point à la surface du sol, donc où il y a l'instrumentation au-dessus de l'explosion nucléaire souterraine. Pour revenir plus à des choses concrètes, il y a d'autres indices, comme de l'imagerie LIDAR qui a été effectuée sur le site. Alors LIDAR, c'est un peu l'équivalent du radar, mais dans les ondes visibles. Et vous voyez ici, sur cette imagerie, vous voyez des zones qui sont en orange ici. Alors vous reconnaissez ou vous ne reconnaissez pas, mais je vous le dis, ici la tour nord, ce qu'il en reste, ici la tour sud, et ici c'est le bâtiment WTC-6 qui a eu un énorme trou en plein milieu. Or, orange, ça veut dire sous le niveau zéro par rapport à l'espèce de dalle qu'il y avait là. On a vraiment l'impression, quand on voit cette image, qu'il y a des gens qui ont voulu vérifier si le site ne s'était pas trop effondré. Hein, et que finalement, where did the towers go? Ben, peut-être un petit peu dans la cuvette quand même. Puisqu'on a quand même l'impression qu'il y a eu un effondrement. Alors, je terminerai en disant que toute cette idée, en fait, ne m'est pas venue spontanément, pas du tout. En fait, c'est en écoutant et en lisant ce que disait ce monsieur qui s'appelle Dimitri Kalesov, qui est russe, que m'est venue l'idée de vérifier si ce qu'il disait était complètement absurde. Ce que j'ai pensé au départ, puisque il dit toujours que sous chacun des trois gratte-ciel qui se sont effondrés, donc les tours jumelles et le bâtiment numéro 7, on a placé une bombe thermonucléaire de 150 kilotonnes pour les faire s'effondrer. Alors moi, tout de suite, ça m'a fait rigoler et j'ai voulu montrer par un petit calcul de coin de table, une petite estimation à la Fermi, que ça n'avait aucun sens. Le problème, c'est que j'ai montré qu'il avait raison. En tout cas, pas complètement tort. Je ne garantis pas les 150 kilotonnes, mais je garantis que la quantité de chaleur, justement, que j'ai estimée par rapport au refroidissement du site est bien compatible avec les chiffres qu'il donne. Et j'encourage tout le monde à lire ce pavé qu'on peut trouver librement sur Internet, qui fait quand même plus de 1000 pages. Alors, je ne dis pas du tout que tout ce qu'il dit est vrai, hein, loin de là. Je pense même qu'il y a beaucoup de choses farfelues dedans. Mais on peut aussi s'inspirer d'idées émises par des gens qui, peut-être, racontent n'importe quoi sur certains sujets. C'est pas un problème tant qu'on garde son esprit critique. Et donc, ça vaut le coup de le lire. Alors, c'est écrit en anglais, mais c'est de l'anglais écrit par un russe, donc c'est pas de l'anglais très, très évolué. C'est un peu comme si moi, j'écrivais un bouquin en anglais de 1000 pages. Au bout d'un moment, j'emploierais toujours les mêmes termes. Et il y a énormément de considérations, pas uniquement sur les explosions nucléaires souterraines, mais sur plein d'autres choses, sur le terrorisme fabriqué de façon plus générale. Il y avait encore un dixième point. Alors, puisque le travail d'un chercheur, ben, c'est de chercher, mais aussi de savoir reconnaître ses erreurs, donc je vous ai déjà dit que là j'ai des problèmes avec l'analyse sismique, mais je voudrais vous faire partager une petite expérience
que j'ai eue en discutant avec une autre personne qui s'intéresse de très près, même de beaucoup plus près que moi, aux explosions nucléaires souterraines. Et cette personne, c'est la personne qui est à droite ici, qui s'appelle Heinz Pommer, qui est un Allemand. Et je trouve que c'est un Allemand qui a fait des études en France, qui a fait un DEA de physique, et même plus précisément de physique nucléaire. Donc il y a une formation de physique nucléaire effectuée à Orsay, en France. Et il parle français, d'ailleurs. Et bon, vous voyez qu'ici, il est interviewé par un journaliste qui est spécialisé dans les thèmes plus ou moins originaux. Enfin, évidemment, ce n'est pas des médias mainstream, comme on dit. Mais donc, je corresponds toujours avec ce monsieur par mail, et on échange des arguments. Alors, je n'ai pas réussi à le convaincre de tout, mais il a été convaincu par ma démonstration, à tel point qu'il la reprend et il la cite maintenant. Il n'est pas physicien de métier maintenant, il est chef d'entreprise, il a une entreprise de documentation technique, il fabrique des notices techniques pour les grandes entreprises. Et il a réalisé deux sites internet sur le 11 septembre. Alors, ce n'est pas en français, mais il y en a un qui est en allemand, en anglais et en russe, et l'autre qui est en allemand. Vous pouvez retrouver ces sites où là, lui, il va dans le détail de l'explication de la destruction nucléaire. À mon avis, trop dans le détail, et il s'aventure dans des choses qui sont non prouvées. Mais il a le mérite d'émettre des hypothèses. Il dit d'ailleurs lui-même qu'il ne prétend pas avoir trouvé la solution. Il lance des hypothèses pour être critiqué. Donc j'ai plusieurs divergences importantes avec lui, mais je reconnais que c'est quelqu'un avec qui j'ai plaisir à discuter. D'abord parce qu'il apprend et qu'il corrige vite quand on arrive à le convaincre. Il est de bonne foi. Là, je ne l'ai jamais rencontré personnellement, mais j'ai pas de doute sur sa bonne foi. Et il n'a pas peur de désigner l'ennemi, ce que je ne ferai pas ce soir, car je suis un horrible trouillard. Mais lui, si vous allez sur son site, vous verrez qu'il désigne des responsables derrière ces attentats. Alors, je vous parlais de l'erreur et des vertus heuristiques de l'erreur, c'est-à-dire des enseignements qu'on peut tirer des erreurs. Il se trouve que dans son obsession à décrire un mécanisme très précis de la destruction nucléaire, il cherchait, ce monsieur Pommer, dans les plans, qui sont les plans originaux du World Trade Center, qu'on peut trouver librement sur Internet, je vous donne le site ici, il cherchait des preuves du dispositif, justement, et il s'était mis à lire les plans, et il avait vu une espèce de petit renfoncement. Donc là, la tour, elle est inclinée, vous avez compris. Petit renfoncement au centre de la tour, ici, dans le dernier sous-sol, là, qui en réalité n'est rien d'autre que le puits final de l'ascenseur qui descend jusqu'au fond. Donc forcément, on est obligé de creuser encore plus bas pour mettre les amortisseurs. Et lui, il voyait ça comme une chose qui permettait... qui pouvait permettre la destruction par un jet de plasma, etc. Bon, à mon avis, il avait tort. Mais dans son erreur, il a fait une découverte intéressante. Il a lu ce plan et il a lu un chiffre marqué sur le plan en interprétant ce chiffre comme étant une mesure en pouces, puisque c'est les plans américains, donc c'est en pieds et en pouces. Et je lui dis, non, c'est pas ça, c'est pas en pouces, c'est en pieds. Puisque pouce, ça se met avec deux apostrophes, et pied, c'est une apostrophe. Et il dit, ah oui, d'accord, c'est vrai, mais alors comment, c'est pas possible, ça peut pas être la taille de ce qu'il croyait être son dispositif, puisque ça correspondait pas du tout. Alors je lui dis, oui, effectivement, on était trois à discuter là-dessus, deux Allemands et puis moi, par nos mails. Et on a fini par se rendre compte que sur tous les plans, enfin la quasi-totalité, il y avait non pas une dimension, mais une référence absolue d'altitude qui figurait, et qu'on voit d'ailleurs sur ce plan, sauf que là elle est illisible parce qu'elle est bien trop petite. C'est, j'ai zoomé un peu ici, mais il y a les hauteurs ici qui sont indiquées par rapport à plusieurs références, parce qu'il y a plusieurs niveaux de références. Alors il y a le niveau de ce qui s'appelle la plaza, donc la place qui est autour des tours. Il y a niveau de différence au sol, et puis il y a le niveau le plus bas, la référence, c'est elevation 246 pieds. Ah, une élévation de 246 pieds.
Et qu'est-ce que c'est que cette élévation de 246 pieds? Sachant que cette élévation de 246 pieds, ici, elle est figurée clairement comme étant le niveau du socle rocheux. Donc ça veut dire que le socle rocheux est situé à 246 pieds au-dessus de quelque chose d'autre. Puisque ça apparaît clairement sur le schéma. Là, c'est vraiment tout à fait explicite. Alors, on n'a pas trouvé. Je vous dis tout de suite, on n'a pas trouvé ce que c'est que ce 246 pieds. J'ai posé la question même à des scientifiques américains, des géologues qui ont travaillé sur les cavernes, les cavités qui ont été trouvées après déblaiement du site et qui sont de véritables cavités glaciaires et pas du tout des trous des bombes comme certains le disent. Ils m'ont dit qu'eux aussi ils avaient utilisé cette référence, mais parce qu'on la retrouve sur différents plans de New York, ils ne savent pas à quoi quelle est l'utilité de cette référence. Ils m'ont même dit que ça ne peut pas être le métro, parce que le métro il descend beaucoup moins bas que ça. On ne va pas me faire des ascenseurs ou des escalators aussi énormes pour remonter ensuite les gens. Donc ils ne savent pas. Et moi je ne sais pas non plus. Donc pour l'instant je dis que je ne sais pas. Par contre, 246 pieds, si vous traduisez ça en mètres, ça fait 74,98 mètres. 75 mètres. Donc ça veut dire qu'il y a une référence d'altitude sur les plans du World Trade Center qui se trouve exactement, ou presque, à 2 cm près, hein, à 75 mètres sous le socle rocheux. Alors là, je vais faire de la spéculation pure, c'est pas du tout une démonstration. Mais si je me mets dans la tête d'un ingénieur à qui on dit « tu vas calculer un truc qui puisse démolir les gratte-ciels quand on en a besoin, avec une bombe placée au bon endroit, une bombe nucléaire, et tu vas me calculer à quelle profondeur il faut la placer. » Bon, il se trouve que la profondeur à laquelle il faudrait la placer pour que ça fonctionne à peu près, hein, par rapport aux puissances indiquées, c'est l'ordre de grandeur, c'est la centaine de mètres. Donc supposons que l'ingénieur ou le physicien, un élève de Teller par exemple, trouve 75 mètres, puisque les ingénieurs, à ce niveau-là, ils calculent quand même en mètres, ils ne calculent pas en pieds et en pouces, hein, quand il s'agit de faire de la physique. Il trouve 75 mètres, puis il dit, bon, bah, je vais traduire ça en pied pour les architectes et pour les gens du chantier, donc je vais prendre, combien ça fait 75 mètres, bah, ça fait 246 pieds. Et donc, ça pourrait être une interprétation, évidemment, c'est absolument pas une preuve, hein, mais ça pourrait être une interprétation qu'il y a une référence d'altitude quelque part dans le socle rocheux, 75 mètres sous la surface du socle rocheux, qui correspondrait à une zero box, comme on dit pour les artificiers militaires, c'est-à-dire l'endroit où on vient mettre la bombe. Encore une fois, je ne l'ai pas prouvé, c'est une pure spéculation. Par contre, j'estime avoir prouvé que la source d'énergie est nucléaire. Donc, il serait très intéressant d'avoir les plans du bâtiment 7. Il se trouve qu'on les a trouvés il n'y a pas longtemps, enfin, j'ai pas eu le temps de les étudier, mais l'autre physicien allemand là, qui les a trouvés m'a dit qu'il n'avait rien vu pour l'instant dessus. Donc, je termine par une conclusion peut-être moins technique et un peu plus générale, parce que je pense qu'on vit une époque, vous avez tous remarqué, qui est un petit peu particulière, et dans laquelle on a une vision de tout ce qui est science et technique, qui est promue par la société de consommation, par les médias, et qui est que le progrès technique est potentiellement infini. Aussi que la technologie nous rend libres, et puis qu'on peut dicter notre loi à la nature. C'est ce que je disais au début de la conférence, on est un peu tout puissant, omniscient, on peut voir tout ce qui se passe, ou presque, à l'autre bout de la Terre, en un clin d'œil, donc on a l'impression vraiment que le progrès, c'est ça. En réalité, je pense que tout ça est une illusion, que c'est pas du tout la réalité des choses. La réalité des choses, c'est plutôt que le progrès technique, il est dépendant, et très très dépendant, de l'énergie et des matières premières, qui le rendent possible. La technologie, elle nous permet bien sûr des tas de choses, mais elle nous enferme aussi dans une vision du monde et une vision qui est réductrice. Donc attention à ne pas croire tout ce qui est issu de vos prothèses électroniques. Et en définitive, on ne peut jamais qu'obéir à la nature ou à Dieu pour les croyants. On ne peut jamais lui commander. Donc le fait de croire un peu trop facilement qu'on est devenu des dieux ou des demi-dieux, parce qu'on a plein de trucs qui nous permettent de faire n'importe quoi quand on veut, d'aller à l'autre bout de la Terre quand on en a envie, pourvu qu'on ait un petit peu d'argent quand même.
d'une certaine façon, nous fait régresser intellectuellement. Donc j'espère vous avoir montré par cette conférence, et même s'il y avait parfois des passages peut-être un petit peu techniques, et je m'en excuse, mais je voulais vous montrer que la physique avait un intérêt pour des problèmes qui ne sont pas purement techniques, justement. J'espère vous avoir montré qu'il faut savoir raison garder et ne pas oublier son esprit critique. Physicien et ingénieur se basent sur les mêmes lois. Il n'y a pas de formule magique. On ne fait qu'obéir à la nature. On ne fait rien d'autre. Alors, je parle quelquefois de physique Harry Potterienne pour la version médiatiquement dominante du 11 septembre 2001, et j'affirme que cette physique Harry Potterienne est un obscurantisme. J'espère que mes collègues physiciens, ingénieurs ou scientifiques vont finir par le rappeler. Et je vous remercie de votre attention.